les garçons. Bonjour tout le monde. Comment ça va aujourd'hui? Très bien. Monsieur, ça allait bien aussi? Oui, on espère que tout le monde va bien. On est où aujourd'hui? À Saint-Cyr-sur-Mer. Oui, dans le sud de la France. Et qu'est-ce qu'on va faire? Pêcher des crabes. Oui, on va pêcher des crabes. Tout à fait. Est-ce que vous êtes équipés pour ça? Ah oui, on est bien équipés. Alors, je vois des épuisettes. Et Swan, tu as un seau, un arrosoir, ça c'est pour arroser les crabes, pour pas qu'ils aient trop chaud. Oui, je pense qu'on a tout ce qu'il faut. Ouais. Et bien c'est parti? Oui, on y va. Et bien sûr, les copains et les copines, on vous emmène avec nous dans notre pêche aux crabes. On espère qu'elle sera fructueuse, hein? Est-ce que tu vois quelque chose? Rien. Ah, bon. Un démarrage tout en douceur donc. Ah ouais, ça, bien en douceur. Le paysage est très joli ici, hein. Une belle région. Et il fait un temps magnifique. On est bien là, les vraies vacances. Bah, à défaut d'arroser les crabes, Swan arrose les rochers. C'est un bon début, mon chacha. Heureusement que le seau est vide pour l'instant, qu'il n'y a pas de crabe dedans. Bon, à défaut de crabe, on a au moins trouvé un bigorneau. C'est un début. On met dans le seau? Tiens. Voilà. Donc Swan, tu es chargée de la surveillance du seau, hein. D'accord? On te fait confiance, hein. Tu le mets là? D'accord. Là, il est à l'abri, c'est bon? Hop là. On rafraîchit déjà le bigorneau. Le seau qui est fin. Ça va, Swan? Il est sorti, regarde. Ah! Ah, et c'est un autre qui est sorti, même. C'est un autre qui est sorti. Un autre trou. Regarde. Ah, ouais, il est juste là. Est-ce qu'il va venir? Est-ce que la gourmandise aura raison de sa prudence? Je pense que oui. Il le voit, hein, il le voit, il a faim. Regarde l'autre, regarde l'autre, regarde où il est. Regarde l'autre, regarde l'autre, regarde l'autre. Attends, attends, attends. On la crabe, on la crabe. Hé, il est à côté de l'épuisette. Allez, finis celui-là déjà. Ouais, attention, il est attrapé. Ressors-le. Attention. Il en a fait un autre. Il le veut, hein? Ouais, il le veut, là. Il arrive, le voit. Il arrive. Il arrive. D'accord. Il est là, hein. Oui, vas-y, tire, 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 tire. Ah, presque. Juste là, l'autre, regarde. Oh, ouais, c'est pince là. C'est pince, c'est pince, c'est pince. Attention, attention, il arrive. Il arrive. Hein. Il arrive. Ah, ah. Elle est belle manger. Allez, tire, 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 tire. Ah, ah. Bah, mets-le là, voilà, mets-le là. Vraiment sur le bord. En fait, il faut attendre qu'il le mange bien. Ouais, ouais. Attends, il va arriver. Il y a son copain qui le rejoint. Excellent. Ils sont tous les deux sur le rocher là. C'est comme un hamburger. Ouais, c'est comme un hamburger, tout à fait. Je veux manger, je veux manger. Il le veut, hein. Regarde, il se rapproche. Il se rapproche. Vous l'aurez si vous vous laissez attraper. Il y en a deux là. On les voit bien, hein, de chaque côté. Rapproche un peu. Non, non, c'est tout comme ça, il va venir. Bah, justement, il vient. Il l'a. Oui, 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 là, oui, là. Oui, là. Bravo. Bravo. Attends, regarde. Ah, attention, attention, il monte. On l'a eu, on l'a eu. Vite le saut, vite le saut, il veut s'enfuir. Il est là-bas. Va le chercher. Attention. Premier crabe. Il veut pas se détacher. Il va pas se détacher. Je vais carrément l'attraper. Voilà. Bon,
Voilà, le plus simple, c'est de l'attraper en fait et de l'immobiliser. Donc les crabes, les copains et les copines, si vous souhaitez immobiliser un crabe sans qu'il vous pince, il faut l'attraper derrière, comme ceci. Là, il ne peut pas vous pincer. Enfin, là, parce que c'est un petit, hein. Ne vous amusez pas à faire ça avec un gros crabe. Allez hop, dans le seau. Premier crabe, oui. Donc voilà notre premier crabe. Bon, on va essayer d'en attraper d'autres maintenant, hein. Alors les copains et les copines, pour explication, on pêche au coquillage, c'est-à-dire que le petit appât cané au bout de son fil, c'est un morceau de coquillage tout simplement. Donc on a trouvé un coquillage, on a pris le contenu, on l'a accroché à un fil de nylon. Et voilà, c'est notre appât pour pêcher le crabe. J'ai attrapé deux poissons d'un coup. Deux poissons ? D'un coup d'épinette. Waouh, trop fort ! Waouh, super, super ! Ah, va vite les mettre dans le seau. Ouais. Mais non, t'as des bons réflexes, hein. C'est bien mon grand. Bon ben, on aura passé beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps à la pêche. C'est vrai que Néo adore ça. Et donc, bien sûr, entre-temps, bien, le soleil a fini par se cacher derrière les montagnes. Swan est allé se réchauffer sur sa serviette. Néo a enlevé les lunettes de soleil pour remettre les lunettes de vue classiques. Et puis là, encore quelques minutes de pêche. Et je pense qu'on va rentrer quand même. Alors, qu'est-ce que ça donne? Encore un poisson. Ah, il est beau, dis donc. Attends, je sais pas si les copains et les copines vont bien le voir. Regardez comme il est chouette. Oh, il est beau comme tout, hein. Bravo, mon grand. Super. Allez, vas-y, tu peux le mettre dans le seau. Ouais. On était parti pêcher le crabe, mais finalement, on est au pêche des poissons aussi. Apparemment avec succès. Donc là, on a pêché pas mal de crabes déjà. On n'a pas pu tout vous montrer parce que le problème, c'est que quand le crabe est pêché, le temps qu'on arrive, que j'arrive avec la GoPro... Ah, t'en as eu un? Ah bah voilà, super, pendant que je papote. Il y a un poisson en plus. Ouais, il est énorme. Attends, là, je vais pas y mettre les doigts par contre, hein. Avec ouais. Super, attends, il est gros, hein. Ouais. Et un poisson, super. Allez, on fait la pêche miraculeuse. Bravo, Néo, bravo. Alors je vous disais les copains et les copines que j'ai pas pu vous montrer toutes les prises parce que le temps que je dégaine la GoPro, évidemment le crabe est déjà parti. Mais regardez, ça prend forme. Allez, encore l'autre petit poisson. Et hop, un poisson de plus. Et plein de crabes déjà. Des gros. Il y a déjà du monde dans ce seau, hein. Ah ouais. C'est très très bien, mon grand. Allez, on continue. Bon, maman essaye aussi. Avec moins de succès que Néo, hein. Effectivement, hein, on n'est pas pêcheur de crabes et de poissons, qui veut, hein. Néo y arrive très très bien, lui. Et maman, nettement moins bien. Catastrophe. Alors les copains et les copines, vous allez peut-être vous dire qu'en un après-midi de pêche, on n'a pas attrapé tant de choses que ça. En fait, on n'a pas pêché tout le long, hein, c'est sûr. On a pêché un petit moment, après on a fait une interruption parce qu'on a rencontré des fans. Après on s'est remis à la pêche, après on a fait une petite interruption pour se baigner. Ensuite Swan a voulu faire des châteaux de sable, enfin voilà, on a fait l'après-midi à la plage. Et donc la pêche a été plutôt fragmentée. Et là voilà, avant que le soleil se couche complètement, Néo tente encore quelques prises. Pouf. C'est pas grave. Regarde Swan comme il est beau celui-là. Oh. T'as vu ça? J'ai jamais vu ça depuis toute ma vie. Petit cœur, il est super bien fait, hein. Trop trop réussi. Il y en a qui ont de la patience et du talent sur cette plage. Viens, on va retrouver Néo. Alors Néo, c'est fini la pêche? C'est fini. C'est fini. Alors qu'est-ce que tu as attrapé? Voyons, voyons. Est-ce qu'on y voit quelque chose? Ah oui, on voit pas mal quand même. Je vois les poissons. Oui, on voit bien les poissons. Il y en a un qui est sur un coquillage. On voit les crabes aussi. Waouh. Ah, t'en as eu beaucoup quand même, hein. Ah ouais, dis donc. Alors, on va les relâcher? Oui, allez, on les relâche, bien sûr, hein, les copains et les copines. En fin de journée, on relâche les poissons et les crabes. Allez, je les relâche. Allez, ils vont reprendre leur liberté. Ça y est. Attention les crabes, hein, parce qu'ils sont gros quand même, hein. Si vous voulez pas vous faire pincer les pieds. Voilà. Reste là, toi. Ne viens pas vers mes pieds, s'il te plaît.
Ça y est, ils sont cachés. Bien sûr, les crabes se sont immédiatement cachés sous les rochers et les poissons sont repartis à la mer. Ouais. Et voilà. Alors les garçons, la pêche aux crabes et aux poissons du coup est terminée. Est-ce que ça vous a plu? Moi, ça m'a beaucoup plu. C'était super, même pour toi, Swan. Oui. Quel est le moment que vous avez préféré alors? C'est quand j'ai attrapé le gros crabe. Ah oui, le gros avec qui était avec un poisson. Ouais. Oui. Et toi, Swan? Bon, t'as pas beaucoup pêché, toi, mais. C'est quand on a eu le premier bigorneau. Oh, petit cœur. Swan, ce qui lui plaît, c'est de pêcher les bigorneaux. Trop mignon. Les copains et les copines, quel est le moment que vous avez préféré? Et surtout, abonnez-vous. À bientôt les copains et les copines. Bye bye. À bientôt les copains et les copines. Bonne fin de vacances si vous êtes encore sur la plage. Et à bientôt. I don't think so. No, 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 no.